Salut tout le monde, c'est Supercar 38, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur cette magnifique ATK Cupra qui est juste derrière moi, voilà. Donc je vais tout vous présenter, l'intérieur, l'extérieur, le bruit, voilà, je vais tout vous présenter. Allez, c'est parti. Donc voilà un peu de l'extérieur, donc l'ATK Cupra. Donc l'ATK Cupra développe 300 chevaux. Donc celui-là a presque tout d'origine à part donc les jantes juste ici qui sont en option, les jantes, les freins Brembo, je ne sais pas si vous voyez bien, juste ici, les freins Brembo et le toit ouvrant qui est juste ici. Donc malheureusement avec les conditions météo il est un peu sale. Aussi il y a des voitures qui passent donc excusez-moi pour le bruit. De la face avant il y a le logo Cupra, donc le tout nouveau logo Cupra. Une calandre vraiment magnifique avec l'écriture Cupra juste ici. Les feux rappellent un peu la Bugatti Chiron. Les feux à l'intérieur, les feux à LED. Voilà à peu près de la face avant. Après donc sur les côtés, comme je vous l'ai dit, il y a en option donc les jantes ici, les jantes Cupra avec les freins Brembo. Voilà. Après de la face arrière, nous avons les quatre échappements, voilà, quatre échappements qui font un beau bruit, avec toujours le logo Cupra et la marque Cupra qui est ici en noir. Bien sûr, vous voyez bien ici, c'est un 4 roues motrices. Donc voilà la face arrière, vraiment magnifique. Donc maintenant, nous allons passer à l'intérieur. La petite clé qui fait plaisir avec le logo Cupra tout en carbone. Donc voilà l'intérieur. Donc nous avons les sièges en Alcantara ici, les sièges en cuir. On retrouve encore Cupra marqué ici en Alcantara. Le volant qui est magnifique avec le carbone et le logo Cupra. Après de l'intérieur, donc bah là on retrouve du plastique, bon c'est basique. Ici vous avez le plus et le moins en palette, donc qui sert à passer les vitesses pour ceux qui ne savent pas. Après ici bah il y a voilà, tout ce qui est climatisation. Donc là nous avons aussi l'écran GPS tactile. 8 pouces. 8 pouces. Donc là ici nous avons donc en fait c'est pour charger le téléphone. Donc vous le mettez là, c'est sans fil. Il faut qu'il soit compatible. Donc vous le mettez là, il charge sans fil. Là, on a la boîte à double embrayage à 7 rapports, qui est vraiment magnifique. Ici, la molette de driving mode. Ça influe donc, sur les paramètres du moteur et des suspensions. Donc, tout dépend du mode qu'on met. Donc là, voilà, on va écouter un peu le bruit du moteur. Donc, pied sur le frein. Le bouton qui fait plaisir. Ah, le petit bruit. Donc là, on a la vue en mode sport. C'est un cockpit et bien sûr sur les voitures comme ça 300 chevaux bah il faut toujours faire le plein, hein. C'est toujours pareil. Après donc ici donc je vous ai montré le toit ouvrant, donc on met ça en arrière, hop, et c'est magique, ça s'ouvre. Voilà, on va écouter un peu le bruit du moteur. Vraiment le bruit c'est vraiment magnifique. Du coup le moteur c'est un 2 litres essence 4 cylindres turbo qui développe 300 chevaux. Présenter un peu les places à l'arrière. Donc on retrouve toujours de l'Alcantara ici, Alcantara, cuir, là on a imitation carbone. Ici on a deux prises USB donc pour les passagers arrière, donc ceux qui veulent charger leur téléphone ou autre. Les prises d'air ici, pour voilà, ça sort à l'arrière aussi, ça c'est bien. Après ici nous avons l'accoudoir. Donc pour mettre votre coude ou les boissons, voilà, comme vous voulez.
Donc voilà, on a vraiment, on peut bien rentrer vraiment à trois personnes à l'intérieur. On n'est pas vraiment serré, il y a vraiment beaucoup de place. Donc au niveau coffre, donc pour ouvrir déjà, on appuie ici et c'est automatique. Donc comme vous le voyez. Au niveau du coffre, donc on a un 480 litres, voilà. Ici, en dessous, on a le caisson Beats qui est pour la musique, tout ce qui est son dans la voiture, un bon caisson. On a les Trapaski qui sont rabattables. Donc, en parlant du caisson de basse Beats, donc le système d'haut-parleur Beats ici. Donc, au total, il y en a 9 haut-parleurs plus le caisson de basse qui fait 10. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu sur la présentation de la Ateca Cupra. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner, activer la cloche. Et puis voilà, allez, ciao les amis.